Welcome back to my channel. Nous sommes vendredi 18 juin. Pas du tout. On est le 18 août. D'accord, bah la fille elle est fatiguée. Actuellement, je m'en vais prendre le train pour Paname parce que je vais rencontrer Ashley. Si vous la connaissez pas, vous ratez. Ashley OA. Ashley, la créatrice de MBP, My Business Plan. La dame de la féminité. Demain, elle organise sa première conférence. Dire que ça va faire. Je sais pas, 8 ans, j'en sais rien, ça fait trop d'années que je la suis. Enfin, après des heures et des heures à regarder ses contenus, elle nous fait l'honneur de nous donner ses petits tips, de nous honorer, de nous présenter son nouveau planeur. Enfin bref, un truc de ouf. Rentabilité à fond, j'ai décidé de venir la veille. Hier, j'en ai parlé avec mon mec et j'ai dit, est-ce que je vais pas finir par renouveler mon abonnement SNCF, mais en plus gros? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai, je crois, Grand Voyageur, un truc dans le genre. Mais là, je me suis dit, je vais me reprendre un abonnement. C'est soit ça, soit je vis sur Paris, en fait. À un moment donné, j'ai l'impression d'y aller tous les mois. Mais bon, que voulez-vous? Qu'on le veuille ou non, il y a encore beaucoup trop de projets qui se passent sur Paris. Donc, on fait avec. Ça me donne chaud, en plus, je suis en body. Bonjour. Bonjour. Ouh, il venait du cœur, celui-là. Ça me fait plaisir, parce que je me prends toujours des vents, moi, quand je dis bonjour. Le programme, c'est arriver sur Paname, trouver un petit truc à manger, aller me balader un petit peu ou me poser quelque part, aller récupérer les clés du Airbnb, déposer mon grand sac, ensuite continuer mes trucs perso, rencontrer une personne pour du pro, ensuite aller manger, je ne sais quoi, faire ma petite soirée, pourquoi pas sortir, me demandez pas pourquoi je viens d'y penser. Et demain, bien me rafraîchir le visage, me faire une petite routine, je sais pas si je laisse mon afro parce que it's giving aujourd'hui. Et puis aller à l'événement, quoi. Je vous montre bien sûr mes outfits, quelle question. Et puis voilà, on rentre demain après-midi, fin de journée. Un truc somme toute classique, enfin fin de journée, j'abuse. Je rentre un peu plus tard. Donc vous allez me suivre dans tout ça. Au final, on va appeler ça un road trip. Et là, je dois aller jusqu'au bus, au bout de la rue. Parce que, comme d'habitude, Paris égale travaux, égale arrêt, égale je sais pas quoi. Le RER A, il y a la moitié du RER qui est bloqué. Prendre un bus qui lui-même m'emmènera dans une autre station. Ça me saoule parce que vraiment, c'est des galères pour rien. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas du tout. Allons-y, hein. Voilà, super. Après ce long périple et cette chaleur écrasante, je me dirige vers le Airbnb. J'en peux plus, je suis éclatée. J'ai hâte de me doucher, vraiment. C'est parti pour le room tour. Il est trop mignon. Ici, on a bon, les toilettes. Hein. Ça, c'est l'entrée. Là, vous arrivez dans le salon. Hop, l'atelier. Ici, le coin cuisine qui est super spacieux, vachement bien rangé. J'aime beaucoup les couleurs. Ici, la chambre qui est franchement assez grande avec un miroir. La rue, hein. N'oublions pas que nous sommes au troisième étage. Hey, la salle de bain avec une douche. Tout ce que j'aime. One eternity later.
Sors de l'événement. Il est 17h, j'ai hyper chaud, j'ai ma valise et j'ai mon petit pack avec les cadeaux d'Ashley. Je suis trop contente, de toute façon vous avez dû voir la vidéo, elle est incroyable, vraiment, cette femme c'est... Merci à elle vraiment, et je suis trop contente de l'avoir rencontrée, et ça bouge pas en fait, elle est incroyable, vraiment, oh là là, des créatrices comme ça, mais on en a tellement peu, ambitieuses, qui représentent, je vous replante plus, entre la pluie de ce matin, la chaleur de cet après-midi, on lutte.